Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Cartorac 17. On se retrouve pour les énergies de notre lundi 11 septembre 2023. On va voir un petit peu quels sont les messages, les énergies pour ce lundi 11. Et le 11, c'est un maître nombre très puissant. Ce chiffre, ce nombre ne se sépare pas, hein. On ne fait pas 1 et 1 plus 2, non, non, non. C'est un maître nombre qui est très, très puissant et on peut ressentir des choses très fortes aujourd'hui. Bien sûr, on peut se retrouver sous tension, donc on recommande de rester zen, hein, aujourd'hui, d'essayer de gérer parce qu'on va ressentir, de très fortes émotions. Le 11, il confère une extraordinaire énergie et il vous invite aussi à avoir une plus haute estime de vous, de vous-même, et une belle considération, en fait, de vous. Côté professionnel, là, on a son côté créatif, intuitif, qui va vous servir, hein, qui peut vous servir. Vos idées vont être les bienvenues. Et garde quand même un excès, comme on dit, d'autoritarisme. En sentimental, on va vivre une relation de façon entière, paisible, intense. Mais c'est toujours pareil. Votre hypersensibilité d'aujourd'hui peut jouer des tours. Si vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez ressentir des petites tensions. Alors, le 11, très positif, très négatif, ça ne fait qu'un, bien entendu. On a soif de justice en 11, mais on peut se montrer égocentrique aussi et un peu trop rigide. Notre lundi, il est donc associé à la lune doublement avec ce 11. Plus l'émotionnel de la lune. Donc aujourd'hui, on peut vraiment se montrer sous tension, mais également être très, très ressentir des choses très fortes au niveau émotion, voire être hypersensible. Bon, bien sûr, on est avec la lune, création aussi, l'art, hein, ne pas l'oublier, l'intuition également. Et la couleur associée à notre lundi, bah, c'est le blanc. Et le jaune pâle. Voilà les amis. On va regarder tout de suite. On va prendre pour aujourd'hui ou peut-être même pour la semaine. Je vais peut-être le garder. Une carte avec l'oracle du muséum. Une carte message pour notre journée. Pour notre lundi 11 septembre. Une carte message. Alors, pour notre lundi. Nous avons la violette. La violette, la simplicité, la modestie, peut-être aussi un amour secret. Alors, que nous dit-elle notre violette? Alors, la violette. Ce petit poème que je trouve très mignon, comme un petit miracle, une fleur de violette vient pousser ici ou là, discrètement et en toute modestie. Souvent dissimulée sous d'autres feuilles, elle symbolise le secret, l'amour caché et une simplicité toute naïve. Je pense qu'aujourd'hui, cette violette, elle vous conseille simplement la modestie qui la caractérise, lentement mais sûrement. Un peu, mais bien. Voici ce qu'elle vous conseille, tout simplement. Il faut rester simple. Ensuite, pour certains, il peut être question d'une passion secrète, alors qu'elle soit sentimentale ou une passion, quelque chose que l'on aime faire et que pour l'instant, on n'a pas trop parlé. Vous voyez, ça peut être un domaine qui vous trouble actuellement. Eh bien, on devrait peut-être aller droit au but avec simplicité et franchise, c'est-à-dire le faire savoir, le faire connaître. Simplement, oser le dire qu'on aime ceci, qu'on aime cela. La violette, voilà. Allez, on va tout de suite regarder. Avec monsieur le 32, notre lundi 11. Monsieur le 32. À la coupe, nous avons un homme, un roi de cœur. Il va y avoir une belle réussite avec un homme qui vous est cher, peut-être cette passion cachée.
Sinon, on a une très belle réussite pour, avec votre chéri, en lien, en tout cas avec votre chéri, ça peut être également en lien avec un homme que vous avez particulièrement dans votre cœur ou même en votre papa. Ça peut être effectivement une très belle réussite liée à vos parents, on voit les deux là, ou bien tout simplement une très belle réussite grâce ou avec un homme de cœur, ou en tout cas avec votre chéri, ça peut être la même personne, et vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, une très très jolie réussite, en tout cas peut-être pour le couple. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons un contrat, un engagement, une signature, quelque chose nous fait penser qu'on va signer quelque chose, on va s'engager. On a pu voir tout à l'heure, et regardez ça. Alors là, vraiment, les amis, il y a quelque chose qui va, aujourd'hui, vous allez vous engager. Il va y avoir une signature, peut-être sur un contrat, sur un domaine, ou sur une démarche qui a été faite, en lien avec cet homme qui peut être votre chéri, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou tout simplement, c'est en lien avec lui. Nous retrouvons exactement notre couple, donc ça peut être la même personne, bien entendu, mais ça peut être aussi une très belle réussite avec votre chéri ou quelqu'un de cœur, et avec l'aide d'une tierce personne. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous sous la forme d'un engagement. Nous avons en dominant un nom officiel. C'est peut-être ce fameux engagement, cette signature, ce contrat que l'on a pu voir. En tout cas, il y a quelque chose de très légal qui va être fait. Il peut être question également d'un rendez-vous médical, bien entendu, hein. Alors, c'est quelque chose qui va être fait en toute sincérité, en toute amitié, tout amicalement. Et ça peut être également quelque chose d'officiel pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, votre petit-fils également. En tout cas, un homme, un petit jeune homme. Nous avons ici, vous, si vous avez les cheveux clairs, ou tout simplement, ça peut être également une jeune femme. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est de la famille, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut être vos enfants également, petits-enfants qui sont représentés ici, ou une amie, quelque chose d'amical. En tout cas, il y a une légalisation, il y a quelque chose qui se fait là, tout à fait officiel. Nous avons ici, ça peut être le mental qui cogite, les entrailles, les ménages, je veux dire. Mais ça peut être également un recommandé, des nouvelles qui arrivent. Un face-à-face, les amis, peut-être donc un rendez-vous, une convocation entre guillemets, très officielle, de justice peut-être, ça vous met en colère. Il peut y avoir effectivement également quelque chose en lien avec la justice, hein, pour un de vos enfants, de vos petits-enfants, ou bien vous pouvez en entendre parler avec des personnes qui sont autour de vous également. Hein. Bon, nous avons un certain retard sur cette situation. Et ça peut concerner un changement. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement également. Où sont ces personnages-là dans l'attente d'un changement qui, a priori, peut être retardé. Ça va un petit peu vous miner. Hein, ça, ce côté retard va vous mettre un petit peu en instabilité. Hein. Oh oui, sérieusement même. Alors, ça peut être carrément un rendez-vous médical, bien entendu, puisque nous avons le roi de pique et le 8 de pique, il va sans dire. En tout cas, les ménages également, hein, le mental qui n'est pas bien du tout, parce que vous vous retrouvez avec un retard par rapport à un changement que vous avez peut-être demandé ou vous êtes en attente. Il y a des nouvelles qui sont là, effectivement, qui vous ont un petit peu mis à mal. Ça peut être également des comptes rendus médicaux qui sont arrivés, qui vous ont perturbé. Bon, on voit très bien là un rendez-vous qui va être proposé, ou bien il y a quelque chose d'inattendu. Vous recevez peut-être une demande de rendez-vous. Et il va sans dire que ça concerne vos projets. Ça peut concerner aussi le côté très émotionnel. On l'a vu, je vous l'ai dit, le 11, associé à la Lune. Aujourd'hui, on va être hyper émotionné. Alors, avant de... Qu'est-ce que j'ai à recouvrir? De toute façon... je vais en mettre une sur colère après et sur le 8. Alors, le 7, il y en a deux. Le 8, une,
2, le 9, 1, le 10, 1, 2, 3, 3, 10. 3, 10, on voit les changements qui sont là à l'horizon, bien entendu, parce que en plus on a changement. On voit qu'il y a un léger retard, donc un rendez-vous, qu'il y a peut-être eu une contrariété par rapport à un rendez-vous. Et ces rendez-vous très officiels, d'ailleurs, vous ont vraiment un petit peu contrarié. Hein. Valet, 1, 2. Dame, il n'y en a qu'une. Roi, il n'y en a qu'un. Et As, il n'y en a qu'un. Alors, je vais en mettre une sur cette colère. Et puis, ce 8 de pique. Alors, cette colère et ce 8 de pique. C'est avec certitude. Hein. Donc, il va vraiment y avoir une colère. C'est le contrat. Donc, il peut y avoir un petit souci, tout simplement parce qu'il a été reporté. Hein. Il n'est pas bloqué, il est reporté. Simplement parce qu'il n'a pas été... C'est peut-être une convocation aussi de justice pour un de vos enfants, petits-enfants, quelqu'un autour de vous. Hein. Ça peut être pour vous, si vous êtes impliqué dans un, je sais pas, une séparation ou autre. On voit qu'il y a quelque chose de très officiel qui est là. Hein. Alors, donc avec certitude, comme c'est peut-être retardé, ça va vous mettre en colère. Alors, nous voyons bien ce côté médical ou justice. Qui vous fait travailler les ménages, parce que ce 7 de trèfle, là, c'est le mental, c'est l'état d'esprit. Hein. Donc, ça peut être aussi un recommandé qui arrive. Les nouvelles, on le voit bien, elles sont ici, mais elles ont été retardées. On voit bien que pour ce changement qui vous perturbe, il y a changement, bien entendu, qui va être acté. Il y a un face-à-face, là, pour les projets qui vont concerner votre fils, votre fille, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur, vos enfants, petits-enfants, des personnes autour de vous. Après, vous pouvez être aussi accompagné de gens qui vont être sympathiques hein, autour de ces changements. Nous avons un rendez-vous, un inattendu, qui va vous mettre en colère avec certitude, hein, mais ça va vous mettre en instabilité. Donc, peut-être une convocation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. La violette, n'oubliez pas, vous disait de rester modeste. Allez, lundi 11 septembre 2023. Alors, il y a une prise de parole. Émotionnellement, on va parler. Ça peut être sentimentalement également. En tout cas, regardez ça, vous avez le miroir magique. Il y a quelque chose de super beau qui se passe à vous, à l'étranger. Vous avez peut-être fait une rencontre, hein, quelqu'un. Il y a peut-être ce côté, en tout cas, si c'est sentimental, vous êtes complètement protégé. Et si c'est un projet, quelque chose d'émotionnel qui vous impacte, vous avez la super protection également. Hein. Il y a quelque chose de très émotionnel qui est au lointain, qui est peut-être d'une autre ville. Vous avez peut-être fait la rencontre aussi de quelqu'un qui est d'un autre département, d'une autre région, ou tout simplement d'origine étrangère. Hop. Et au dos, nous avons, nous retrouvons ce côté émotionnel, sentimental, peut-être l'amour qui arrive, qui est au lointain. Bon, en tout cas, ça réveille vos intuitions là. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, les amis, c'est cette culpabilité qui va prendre fin, ainsi que cet enfermement, et on va vers le bonheur. Et bien peut-être qu'enfin, effectivement, vous mettez en avant, vous dévoilez une relation qui était tenue secrète ou un plaisir, une passion que vous aviez de quelque chose qui est peut-être enfin mise en avant. Et ça, c'est plutôt du beau. Alors, on a l'argent qui est là. Bon, les finances. Dans la maison, les amis, il est question d'argent dans le foyer. Peut-être un petit souci concernant les finances, l'argent au niveau du foyer.
pour vous, ma consultante, ou en tout cas pour une femme proche de vous. Un peu de retard, une rentrée d'argent qui a du mal à arriver, des allocations qui devaient rentrer qui ne sont pas encore arrivées ou qui ont été bloquées. Il y a une certaine distance qu'il va falloir prendre vis-à-vis de toute cette situation. Ou c'est tout simplement également, si vous aviez envie de déménager, de partir, de prendre de la distance, peut-être que ce projet a un peu de retard. Ah, attention, attention, je pense qu'on ne vous fait pas de cadeaux, il y a des gens mal intentionnés autour de vous, ça vous met en sentiment d'échec, effectivement, c'est tout à fait compréhensible. Bon, on voit bien ce nouveau départ qui est là. On essaye peut-être de vous freiner. Hein. On a pu le voir tout à l'heure avec le jeu de 32. Mais regardez, vous êtes protégé. Vous êtes également protégé contre la trahison. Hein. Ce nouveau départ, il est là. Il est germé. Il va avancer. Il va prendre forme. Il peut être question aussi au sein de la maison, de la famille, d'apprendre une naissance ou une grossesse. Il y a un effet de retournement de situation là. Un revirement qui va vous permettre, eh bien, d'acter ce contrat. Alors, on voit très bien qu'il y a l'argent qui est là. Cet argent va vous permettre de prendre de la distance et de démarrer un nouveau projet. Quelque chose qui vous avait quand même fait un petit peu peur, qui vous avait travaillé, c'est un contrat qui a dû arriver ou qui va arriver en retard. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas au sein de votre foyer, de votre maison. Attention cependant, quelques trahisons dans la maison, dans la famille. Hein. Il y a un retournement de situation pour une femme par rapport à un nouveau départ. Bon, alors on va regarder un petit peu au niveau échec et santé et trahison. Ce contrat, il est là hein, et vous êtes protégé. Hein. Alors, la santé, l'échec et la trahison. L'échec, oh, regardez, ça va prendre fin. C'est bien vous qui êtes concerné par ce côté mental. Alors, ça peut être aussi l'état d'esprit. Hein. Tout à l'heure, on a pu voir que l'état d'esprit, il était travaillé. Oh, regardez ça. Vous avez non seulement la protection, mais en plus le miroir magique sous la trahison. Alors là, les amis, il va sans dire que si cet argent a pris un peu de retard, il va arriver. Ça va être perçu comme un cadeau pour ce nouveau départ. Pas de question. D'autour de vous, de naissance, de famille, de grossesse, il y a également quelque chose qui va être acté, enfin, j'ai envie de dire, en lien avec la maison, pour vous, ma consultante. Quelque chose qui a peut-être été en retard, on l'a vu avec le jeu de 32, en tout cas, magnifique. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre lundi 11 septembre. Lundi 11, Monsieur Béline. À la coupe, nous avons une superbe élévation, une réussite dans la maison. Monsieur Béline nous confirme bien qu'il va se passer quelque chose de beau au niveau de la famille, du foyer, dans votre intérieur, dans votre maison. Regardez ça. La super protection que M. Béline nous sort également. Un inattendu, quelque chose de beau va se présenter à vous. Eh bien, en tout cas, je vous le souhaite, les amis, et c'est plutôt sympathique. Allez, d'autres informations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons la passion qui revient. Il est bien question de mettre en avant une passion, qu'elle soit amoureuse, sentimentale, émotionnelle, dans la maison, de se faire plaisir en tout cas. C'est un inattendu, quelque chose de beau qui arrive par rapport à la maladie qu'il y a eu, ou peut-être à un souci qu'il y a eu, qu'il soit médical ou autre, hein, concernant quelque chose qu'on voulait mettre en place en attente d'une décision. Eh bien, c'est la réussite, les amis. Ça bouge positivement. Nous avons en dominant la famille qui est là. Et cette élévation familiale
qui est bien à l'ordre du jour pour ce lundi. Regardez ça. Vous allez retrouver la joie de vivre puisque nous avons les plaisirs, nous avons la joie. Pensez amitié, quelqu'un pense à vous ou tout simplement vous avez eu également un coup de main sympathique qui vous a permis d'arriver. Les nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt sympas et qui sont en lien avec les côtés festifs des choses. Ça prend l'eau, ça y est, ça bouge les amis. Les nouvelles vont vous permettre d'avancer, même si on n'avance pas vite, comme l'a dit la Violette tout à l'heure. Mais on avance et c'est ça qui est le plus important. On va fêter quelque chose. Il est clair que vous pouvez également recevoir une invitation amicale. Vous avez la clé dans les mains, vous avez la clé qui va vous être apportée. Les solutions sont là, à portée de main, vous allez pouvoir retrouver la paix. La paix s'installe, les amis. Et la grâce, super protection. Vous avez toutes les protections pour ce lundi qui tombe et c'est franchement tant mieux. On vous dit d'agir avec sagesse ou tout simplement, les choses ont été menées avec sagesse. Laisse ce qui explique cette réussite. On agit avec sagesse sur la méchanceté également. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette méchanceté qui est là, qui est stérile, qui devient stérile de toute façon, puisque vous avez la grâce et vous avez la super protection. On voit qu'en famille, les choses ont bougé. On agit avec sagesse, on fait... C'est des plaisirs, les choses vont nous faire, vont vous rendre très heureux, car vous avez enfin la clé qui arrive là, les solutions qui arrivent. Les nouvelles sont là, vous êtes super protégés, elles vous permettent d'avoir une superbe élévation. On va inviter, on va fêter quelque chose, vous allez peut-être recevoir une invitation amicale. En tout cas, vous retrouvez la paix par rapport à cette méchanceté. J'ai même pas envie de la recouvrir, elle est entourée d'invitations, de paix, d'élévation, de grâce. Franchement, c'est que du bonheur, c'est un très beau tirage, donc on n'y touche pas. Eh bien, écoutez, c'était plutôt sympathique. Et j'espère que ce lundi va donc vous faire avoir le sourire. On va terminer avec une petite carte. Allez, on va rester dans les couleurs puisque notre tirage était beau. Du coup, je change. Hop, je prends l'oracle des couleurs. Allez. Pour notre lundi 11 septembre. Allez, hop. Pour nos amis Balance, bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Gémeaux, mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Capricorne, rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Lion, bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Sagittaire, mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Bélier, jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Poisson, azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Scorpion, bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Cancer, orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Verseau, bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Taureau, rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer
plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Et Vierge, émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du lundi 11 septembre vous aura parlé, vous parlera. Vous avez entendu mon téléphone sonner, c'est ma fille, je vais la rappeler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci pour vos soutiens. Merci de votre présence, fidélité à ma chaîne et je vous dis à demain.